ben wume dumu pole nyun tangwane nihu susunudong ami home Ces masques représentent des créatures surnaturelles que les ancêtres ont rencontrées dans la nature. Ce sont des intermédiaires entre les hommes et le monde des esprits. Ho humbomi ake lo e lo la kunkunu wi lo la lo ho nyumbe lo mio munyum o we ka ke mo ka hiti no yene o dimiye ehi o hekiri ake si hekiri wo tagebo Les cercles concentriques et la bouche représentent les puits sacrés autour duquel Boni a été bâti. Les rectangles blancs et noirs symbolisent la différence entre l'ignorance et le savoir. Les zigzags symbolisent le chemin des ancêtres qu'il convient de suivre, alors que la ligne droite serait plus rapide. Dans les temps lointains, à l'origine du village, l'un de nos ancêtres était poursuivi par des ennemis. Pour ne pas se faire attraper, il s'est alors caché dans le terrier d'un serpent. Le serpent l'interrogea sur la raison de sa présence dans son terrier. L'aîné lui expliqua qu'il était là pour sauver sa propre vie. Le serpent, pour venir en aide à notre ancien, lui apporta régulièrement de la nourriture pour qu'il puisse rester caché pendant plusieurs jours et échapper à ses poursuivants. À son retour au village, l'aîné consulta un devin. Ce dernier expliqua que ce serpent n'était pas un vrai serpent, mais un esprit qui avait pris la forme du python. Le devin demanda à l'ancêtre de faire tailler un masque et de respecter le serpent comme un esprit protecteur. Nous nous souvenons de cette rencontre magique à chaque fois que le masque sort. C'est ainsi que cette histoire se transmet de génération en génération.
bengume bo ebole nyuntangone alobi e omwage ake le susunu abennimbire onwi le ehonu ehonu abobi onwi le ika ika abobi kebe ebira ole kebe ebira enwahu esiope kaniki nhuru ebengume veba ye ebe yoyo kebe azunu ni ebe do ewuri esiope esiope ele hekiri mo nini onihe meneka adave levune na vava. Passé, présent, futur, nature, homme et esprit.